Et salut à tous, c'est Anthony, vous êtes sur Vapocraft et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de liquide et une présentation spéciale de liquide, du French liquide, mais attention, le Réanimator 3 qui n'est pas encore sorti, mis au point peut-être. Hop, vous l'avez, le Réanimator 3 qui n'est pas encore sorti. À la vente, tout simplement. Pour l'instant, vous ne pouvez pas encore l'avoir. Donc, je l'ai obtenu sur le stand du French Liquide à la Vape Expo. Donc, on ne sait jamais si la personne qui me l'a donné tombe sur cette vidéo. Merci beaucoup de me permettre de faire cette présentation de liquide. Donc, le Réanimator 3. Alors, je n'ai bien évidemment pas trouvé la recette. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. J'en ai pas la moindre idée. Enfin, la moindre idée papier. Donc je vais tenter de vous décrire ce qu'il y a à l'intérieur. Alors j'ai déjà un léger avis parce que je l'ai goûté donc à la Vape Expo sur le stand du French liquide, n'est-ce pas? Et franchement, il est très bon. Alors il me fait penser à un liquide, mais je vais un peu me remettre tout ça en tête. On est sur mon recoil, je vais vous cacher l'écran parce que ça fait dégueulasse. On est sur mon recoil. Donc de Grim Green en 0,28 ohm à 70 watts avec un double clapception en 3 mm de Demon Killer. Et on va se goûter ça. Donc j'ai mis la cloche avec les petits airflows pour bien essayer de choper les saveurs. Franchement, Alors c'est très bon, ça c'est très sucré, enfin très sucré non, c'est bien sucré, c'est très très fruité par contre, des fruits assez acides, acidulés on va dire plutôt, parce que c'est pas agressif non plus comme acidité, c'est très très bon. Je suis descendu un peu à 65 pour voir essayer d'avoir une vapeur froide. Alors moi, il me fait un petit peu penser. Alors, un petit peu en arrière-goût, en fait, au Pinkman de Vampire Vap. Un petit peu. Ce goût de pamplemousse, en fait. Moi, je sens que donc dans ce Réanimator 3, à mon avis, il y a du pamplemousse et différents agrumes. À mon avis, du citron. Je dirais peut-être du citron vert, peut-être, au goût. Et franchement, c'est très, très bon. C'est très très bon, j'ai vraiment pas réussi à trouver la recette, donc que ce soit sur French Liquid ou même sur des sites revendeurs, enfin, de toute façon il n'y a pas de site revendeur de ce liquide pour l'instant parce qu'il n'est pas disponible, mais pas moyen de trouver la recette. Mais moi voilà, je sens des agrumes. Ouais, je sens bien, vraiment du pamplemousse et... du citron quand même, je pense vraiment qu'il y a du citron. Tout ce qui est mangue, ananas et tout ça, pas du tout. Je pense que c'est vraiment pas du tout du délire tropical, mais c'est très fruité. Très fruité, acide, pas de frais. Pas du tout de... Enfin, comme personnellement, je ne sens pas du tout de frais. Mais c'est très bon. Franchement, c'est vraiment, vraiment pas mal. Alors normalement, c'est du 50-50. Alors c'est écrit tout petit parce que c'est un petit... Ouais, c'est du 50-50... Donc, sans eau et sans alcool, comme d'habitude. Ça, je vous montrerai après sur d'autres flacons, parce que sur celui-là, il est beaucoup trop petit, on verra absolument rien. Donc, voilà, habituel, laboratoire Lips, très très bonne qualité, des liquides excellents, quoi. Donc, voilà, la nouveauté, le Réanimator 3, très très bon, fruité, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais pour moi, pamplemousse, citron vert, je pense, et d'autres... agrumes, mais prédominance de pamplemousse et d'acidité. Franchement, très très bon. Moi, j'aime beaucoup. Même s'il ressemble un petit peu au Pinkman, limite, je préfère celui-là. Je préfère celui-là parce que plus acide. Plus acide et bon, autant fruité, mais plus acide. Donc, moi, je préfère. Alors, ensuite, je vais vous présenter, bon, c'est des liquides qui sont connus, mais quitte à faire du French liquide, autant vous faire d'autres liquides que j'apprécie énormément. Des classicos, évidemment le Réanimator 2 qui pour moi rentre facilement dans le top 5 de mes liquides préférés, donc le Réanimator 2, et le Red Dingue,
Essayer d'avoir une mise au point peut-être. Ouais, bon, c'est pas ouf. Le Red Dingue. De très très bons liquides, donc encore du fruité sucré. Alors, on va partir sur bah, le Réanimateur 2, hein, vu qu'on vient de faire le 3. Le Réanimateur 2, c'est. Bah, personnellement, c'est un coup de cœur parce que c'est le liquide qui m'a fait découvrir la marque. Un des premiers liquides que j'ai acheté quand j'ai commencé à vaper. Et je m'en suis jamais lassé. J'en ai vapé franchement beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Et je m'en lasserai jamais parce qu'il est tout bonnement excellent. Donc, encore une fois. Habituel de French Liquid, Laboratoire Lips, du 50-50, sans eau, sans alcool, ni quoi, enfin, ni aucune merde à l'intérieur. Voilà, les liquides sont très bien. Particularité donc du Réanimateur 2, sa couleur, en fait, c'est donnée par de la vitamine B2 E101. Voilà. C'est ce qui donne cette couleur verte qui, bon là je ne peux pas vous le montrer parce que j'en ai pas, mais qui réagit à la lumière noire, qui devient vraiment un vert bien flash, très très joli. Et voilà, alors le Réanimateur 2, au cas où si vous ne le connaissez pas, donc c'est un mélange de quatre agrumes, donc orange, orange vert, citron, citron vert, avec de l'écorce de quinquina. Alors je ne sais pas qu'est-ce que c'est un arbre qui n'existe pas pour moi, parce que voilà, c'est de l'écorce de quinquina. Voilà. Donc, on va se goûter ça donc sur un Messis 24 avec un double Clapton twisté de moi-même. Hop. On est à 0,17 ohms. Bon, je vais laisser 65 watts. 65 watts, c'est bien. Au pire, je monterai un petit peu. Ouais, je vais monter ça, mais trop tard. On va se mettre à 70. On va pas beaucoup plus. C'est pas la peine de monter vu que c'est du fruité sucré. C'est mieux quand même de le vaper assez bas pour garder une vape froide. Après, c'est au goût de chacun. Hein. Si vous voulez vaper du fruité en vapeur chaude, grand bien vous en fasse. C'est vous qui décidez. Alors, oh, celui-là est vraiment excellent. Le Réanimateur 2 est vraiment très très sucré. C'est un sucré qui est vraiment agréable. Alors ça plaira pas à tout le monde hein, parce que c'est quand même un goût qui est vraiment spécifique. C'est acide, mais pas trop. Mais c'est beaucoup sucré. Ça on peut pas lui retirer. Alors si je l'avais goûté sans, enfin quand je l'ai goûté sans savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, je vous aurais jamais dit orange, citron et puis encore moins l'écorce de l'arbre qui n'existait pas. Mais franchement c'est vraiment excellent. Le mariage de ces quatre agrumes. Ça crée un goût unique, en fait, vraiment. Enfin, personnellement, je ne peux absolument pas différencier ce qu'il y a à l'intérieur. Pour moi, ça crée simplement un goût unique qui est vraiment excellent. Donc, c'est un goût très fruité, ça c'est sûr, on ne peut pas lui enlever. C'est un goût très fruité, très sucré. Alors, certains disent qu'il a une note un petit peu frais. Alors, personnellement, je ne l'ai jamais ressenti, peu importe le matos sur lequel je l'ai vapé, peu importe le wattage avec lequel je l'ai vapé, je n'ai jamais eu cette sensation fraîche. Donc pour moi, il n'y en a pas. De toute façon, il n'y a ni menthe, ni coulada, ni quoi que ce soit à l'intérieur. Donc la note fraîche, à la limite, peut-être la fraîcheur des fruits. Je ne sais pas. Mais bon, pour moi, il n'y en a pas. Mais il est excellent. Si vous aimez le sucré, surtout le sucré, parce que pour moi, ce n'est pas un fruité. C'est un fruité sucré. Vraiment. Parce qu'il est très, très, très sucré. Ça, on peut pas dire le contraire. Mais personnellement, j'adore. Ouais, moi j'adore. Celui-là, c'est vraiment un coup de cœur. Hop, on va le ranger et faire la place à la petite vache. Alors, le Red Dingue, on le remonte encore une fois, d'un pas trop près pour pas que ça soit trop flou dégueulasse. Donc, le Red Dingue, qu'est-ce que c'est qu'il y a dedans? Le Red Dingue, c'est un sorbet à la framboise pétillant. Alors, c'est la description. Du Red Dingue que bon, j'ai découvert il y a maintenant un bon bout de temps quand même, mais j'en ai pas vapé non plus énormément. Mais franchement, c'est vraiment un bon liquide, vraiment un très très bon liquide. Donc là, on est sur le combo
Je vous cache l'écran encore. On est sur le, donc sur le combo de iJoy. C'est à double Tiger qui est à l'intérieur. C'est toujours les mêmes résistances que dans les revues précédentes. Bon, je le reprécise au cas où. 0,27 ohms, on va rester à 70 watts, c'était très bien. Je crois que j'ai un pre-shoot à 100 watts de une demi-seconde, un truc comme ça. Bon, c'est pas important. Donc on est à 70 watts. Bien mouillé les cotons quand même. Ça fait un petit moment que je l'ai pas touché. Ah, celui-là aussi est bon quand même. Il est vraiment très très bon. Moi, ce que une petite chose que je lui reproche quand même à ce liquide, c'est que je trouve personnellement le goût trop léger. Après, voilà, c'est vraiment les goûts de chacun. Moi, je le trouve un peu trop léger, mais au moins ça a l'avantage qu'il sera pas, comment dire, il sera pas écœurant. Ça, vous pouvez pas être écœuré, pardon, excusez-moi, clairement avec le Red Dingue, c'est pas possible. On sent très bien la framboise, mais alors pas la framboise fruit, la framboise bonbon. J'aurais pas dit sorbet. Ou peut-être à la limite les ouais, les glaces à l'eau peut-être à la limite ouais. Mais plus un bonbon mais vraiment pas mal franchement c'est vraiment très très bien fait et celui-là il a un léger goût frais lui oui par contre alors il y a ni menthe ni coulada à l'intérieur alors je sais pas comment ils font ce goût frais mais c'est très très léger hein. C'est vraiment super c'est un arrière-goût on va dire en bouche qui vous laisse un passage froid on va dire ça comme ça. Donc c'est très agréable évidemment, ça c'est sûr. On est toujours sur le 50-50. French liquide de toute façon c'est du 50-50. Je le reprécise au cas où. Donc sur les trois liquides que je viens de goûter, c'est du zéro nicotine, parce que je vape en zéro nicotine, mais vous les avez en 3, 6, comme toutes les marques habituelles. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Même l'échantillon de Reanimator 3. J'ai eu de la chance, il me l'a donné en zéro, il lui en restait. Et que dire de plus? Pas d'eau, pas d'alcool, ni quoi que ce soit. Alors, ouais, la couleur rouge, heureusement que j'ai lu, ça m'y fait penser. Donc, c'est un colorant alimentaire naturel. Donc, c'est le E163. Donc si vous voulez chercher par rapport au danger, etc., je l'ai déjà fait. Je suis allé sur Internet chercher à quoi correspondait le colorant E163. Et il est classifié en danger nul. Totalement nul. Vous ne risquez absolument rien parce que... Alors j'avais entendu parler personnellement que sur un autre liquide rouge et extrêmement connu que je ne vais pas nommer, mais vous savez duquel je parle, qui eux apparemment... D'après ce que les gens disent, je ne suis pas allé vérifier, mais apparemment le colorant qu'ils utilisent serait légèrement cancérogène, je ne sais pas lequel des deux on dit. Choisissez. Mais lui, non. Il est classifié totalement sans danger. Voilà, donc encore un gros gros point positif au laboratoire Lips, qui est un laboratoire vraiment très très bien. 100% français. Les amis, restez dans la vape française. On n'est pas les meilleurs niveau goût, mais niveau santé. Clairement, on est très très bon. Pas besoin d'aller chercher de l'américain, du malaisien qui sont blindés d'alcool et vous allez attraper trois conneries en trois flacons. Ça sert à rien. Restez dans du français, c'est très bon. Voilà. Alors, je vais vous montrer quelque chose que j'apprécie énormément de la part du laboratoire Lips. C'est leur système de traçabilité pour nous. Alors traçabilité, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, grâce à leur système, vous pouvez tout savoir sur ce flacon, enfin, sur le flacon que vous avez dans la main, simplement grâce à ceci. Est-ce que je peux avoir une mise au point pas trop dégueu? Voilà, vous voyez simplement un QR code, excusez-moi, ou un flash code comme vous voulez. Et ce, donc, vous le flashez simplement avec votre téléphone. Donc je vais le faire. Je vais couper pour le faire parce que vu que c'est un peu arrondi, c'est pas super évident à choper. Et donc je vais vous le faire. Et bon, je vous montrerai pas l'écran de téléphone parce que ça sera absolument dégueulasse, mais je vais vous lire ce qu'on verra dessus. Et vous avez toutes les informations qui concernent les ingrédients qu'il y a dans le flacon que vous avez dans la main. C'est un système qui pour l'instant est unique au monde, qui est français, et c'est très bien. Je vais vous flasher ça et je vais vous lire ce que je trouve. Alors voilà, c'est flashé.
Donc ça nous envoie sur le site lipsfrance.com. Et donc sur ce site, on retrouve donc tout le détail de, bah, des ingrédients simplement de votre liquide. Donc je vois que c'est bien précisé, le French liquide, illiquide Red Dingue, entre parenthèses, sans nicotine, en 30 millilitres. Donc ça vous prouve bien que c'est ce flacon-là, parce que maintenant il n'existe plus en 30 millilitres. Parce que c'est avant, celui-là je l'avais reçu avant la TPD, même si c'est sans nicotine. Pour l'instant, French liquide ne font plus de. Enfin, en tout cas, depuis que moi j'ai commandé depuis la TPD, ne font plus comment, de bouteilles en 30. Ça sera que du triple 10. Mais bon, ça, on s'en fout, c'est pas le sujet. Donc, on a la référence. Donc, le French liquide Red Dingue 30-00. Alors, ce lot, donc ce flacon, a été créé le mardi 13 décembre 2016 par Olivier Pointin pour le laboratoire Lips France. Date limite d'utilisation optimale, vendredi 11 janvier 2019. Donc, ce produit ne contient pas de nicotine. Vous voyez que grâce à ce flash code, on sait même qui l'a mis en bouteille. Rien que ça, on ne peut pas faire mieux en fait. Niveau traçabilité. Glycérine végétale inférieure à 50%. Propylène glycol végétal aussi. Lips, propylène glycol végétal. Il me semble que leur propylène vient du colza, contrairement à d'autres qui sera donc pas végétal. Donc encore mieux. Arôme naturel et alimentaire, donc l'arôme Red Dingue. Il ne précise évidemment pas ce qu'il y a à l'intérieur, il faut un minimum garder la recette plus ou moins secrète. Colorant alimentaire naturel E163, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sans eau, sans alcool. Et donc il précise, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Propylène glycol végétal et glycérine végétale 100% colza éco-certifié sans OGM. Enfin, ça parle tout seul, quoi. Ça parle tout seul. Peut-être essayer de vous montrer comme quoi que c'est vraiment pas une connerie ce que je vous dis. Bon, ça, voilà, vous n'arriverez pas à lire. Mais au moins, vous voyez bien que je suis bien sur un truc Red Dingue. Alors, produit déconseillé aux femmes enceintes, tenir de porter les enfants, garder sous clé. Blablabla. Bon, ça c'est les précautions habituelles en cas de contact avec la peau, laver abondamment. Bon, il n'y a pas de nicotine donc en soi, c'est pas grave, mais on s'en fout. Alors, un machin, le laboratoire Lips France dispose de numéros de lot, chacun des composants du liquide, ainsi que des fiches de sécurité s'y rapportant, pardon, ils sont disponibles sur demande. C'est-à-dire que voilà, si vous voulez la fiche technique de votre flacon, vous leur envoyez un petit mail avec le numéro de lot qui correspond à votre flacon et ils vous l'envoient. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai, donc enfin tout ce que j'ai. C'est quand même très bien déjà. Donc ce que j'ai sur cette page donc de Lips France. Voilà, donc un très très bon laboratoire. Ça, absolument personne ne peut le nier. Pardon, excusez-moi pour le bruit, ça a dû vous éclater les oreilles. Donc de très très bonnes recettes. Le Réanimateur 3, donc. Peut presque dire exclusivité, pardon, parce qu'il n'est pas encore sorti en magasin. Donc, encore une fois, merci à French Liquid de me l'avoir donné. Qui est extrêmement bon. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais il est bon, ça c'est sûr. Voilà, donc de très bonnes recettes, de très bons liquides. Provenance 100% certifiée, 100% français, vous pouvez tout savoir. Voilà, un laboratoire excellent. Sur ce, les amis, j'ai rien à rajouter. Faites-vous plaisir avec ces super bons liquides. Faites-moi des retours si peut-être vous les avez découverts grâce à moi. Mettez des petits pouces. Abonnez-vous pour suivre la suite des vidéos. Partagez pour m'aider. Ça fait plaisir. Et sur ce, bonne vape et restez dans les nuages, les amis.